Il y a du monde. Ils sont combien? Vas-y, prends. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 12 personnes. Oui, 12. Sarah, Flamand, Vincent Chappé, Nathalie, Manu, Véponine, Caroline de Massa, Brigitte de Grise, Daniel, Maëva Justice, Marie de Grise, Rémi Carré, Sophie Xas. Mmh. Les fêtes, le 19 mars. On est lequel aujourd'hui? On est le 17. Ah, c'est Joséphine. Mmh, Saint-Joseph. Ouais. Alors, Joséphine, c'est qui ça? C'est ma fille, qui est à Lille. Ah oui? Oh là là. Mmh. Elle est là. Ah oui. Joséphine. Ah, Vincent et Arthur et Joséphine. Ah oui, Joséphine, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Manu, c'est Manu qui a commencé. Ce 9 février, nous voici dans les Grands Nords, un vrai ouvert. 9 février, ils étaient en pleine neige. Brigitte de Grise, le 13 février. Puis j'arrive à trouver la photo hein, de ceux qui écrivent. Oui, ah ouais, il y a une petite icône. Bonjour, de campagne, sauf à nous et notre petite fille. Allez. Maëva et Justice et Daniel. C'est rare quand ils se voient maintenant. Caroline de Massard. Là, c'est Maryse. Oui, ça, c'est... Ça, j'ai reconnu tout de suite. C'est toi avec Agnès. Mais c'est Maryse qui l'a trouvé dans oui. Les photos. Et elle a pensé, oh, ça va faire plaisir à Thérèse. Bonjour, tante Thérèse. Bonjour, tous les cousins. Les cousines, quelques images du Séoul. Ah oui, c'est la fille d'Alain. Oui. Ville ultra moderne et ultra connectée, mais aussi Séoul avec ses temples et ses murailles d'un autre temps. Tiens. Oui, c'est intéressant, hein. Je le relis avec plaisir. Coucou les experts, les expats. Les expats, ouais. Les expats. C'est pour dire les expats. Nous aussi, on pense à vous, ici, on s'embrasse toujours, mais pas mais le courrier et on communique avec les yeux. D'ailleurs, maman Thérèse a échangé ses anciennes pour deux nouvelles paires de lunettes. Oh, mais vous êtes au courant de tout. Oui, on sait tout. Pour y voir encore plus gazette. Clair et relire ses gazettes. Mmh. Ah oui, comme ça, en plus, comme ça, on verra ça, tes nouvelles lunettes vertes. Ouais. Jour de fête le 30 avril pour tes 35 ans de mariage et les 25 ans de sacerdoce de Fernand. Nous y étions, un formidable souvenir. Ah, et puis Jules était sur son petit clavier. Oui, mais oui, toujours. Oui. Oui, il est pas mal, hein, famille Léo, là. Mmh. Ouais, il est fourni, hein. Mmh. On ne doit pas être loin des 28 articles. Hein. Ça, c'est chouette. Ouais, comme c'est... tu poses bien sur cette photo, avec ton joli chapeau. Oui, c'est Brigitte qui a retrouvé les photos dans le stock de tante Agnès. Oui, oui.
Jules, Thérèse, Monique, Jean-Marie, Fernand. Le plus rigolo, c'est Fernand avec sa coiffure. Oui, oui, oui. Il a été bouclé, il avait les cheveux bouclés. Ah oui, oui. On remonte encore le temps, toute la famille qui t'entoure le jour de la communion, de ta communion. Mmh. Incroyable. Trop mignon. Le 6 mars. Ah oui, on danse. Et puis, c'est Jules qui avait la clarinette. Mmh. Ça y est, elle était la première à avoir ton passe pour entrevoir le bout du tunnel, heureusement, car les beaux jours arrivent, mais en gardant quand même les gestes de barrière. On a dû confiner beaucoup plus vite. Ensuite, là, Nathalie Flamand. Bravo, maman, te voilà vaccinée et même pas mal. Tu nous montres le bon exemple comme tu l'as toujours fait. Gros bisous pour ma maman, modèle que j'aime, Nathalie. Vincent Chappé, le 7 mars. On ira où tu voudras quand on pourra. Vaccination, oh là là, la blagounette de la semaine. Voilà, c'est Bonina pour la fête des grands-mères. Oui, bonne fête, mamie. Mmh. Oui. Ah, ils se débrouillent bien tous, hein. Ouais. Là, toute la famille. Oui, c'est Rémi. Ici, oui. Là, c'est Rémi. Oui. Un petit mot. Oui, et là, c'est Éponine. J'avais déjà lu, hein, mm-hmm. Vu, mais on se lasse pas. Hein. Ben non, hein, c'est sympa. Hein. Sarah Flamand, belle fête, mamie. T'embrassons de loin. J'ai pas mis la date là-dessus. 20 mars. Mars. Oh, ben, j'ai pas vu. Hein. Oui, c'est, il vient de sortir. C'est ah, le... oui. Ça c'est s'est fini le 8 mars. Ouais. Sophie, avec son petit Charles, qui fait du toboggan. Sophie, oui. Bah, Daniel, qui fait de la randonnée. En s'asseyant. Vincent Chappé. Le 7 mars. C'est toi, ça, Vincent Chappé. Oui, c'est moi. Oui. Ah, quand même. Je me suis baladé à Rouen. Ah oui? Et à Rouen, il y a un artiste qui bouche les trous dans les murs, mais avec des Legos. Ah bon? Donc j'ai trouvé ça joli. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit. Bah, surtout l'idée, là. Ben oui. Ah ouais. Incroyable. C'est vrai qu'il doit en avoir pas mal à la poubelle, peut-être. Des Lego. Oui, il avait fait une collecte spécialement dans Rouen pour collecter des Lego pour pouvoir faire son truc, parce qu'il en fait partout en Europe. Il en fait partout en Europe. Et là, en plus, comme lui, il est franco-allemand, c'était des dégâts qui avaient été faits pendant la dernière guerre. Oui. Oui. Donc, quelque part, que ce soit un franco-allemand qui il est à la fois français et allemand, donc il répare un peu les dégâts de la dernière guerre. Ah, oui. Qui ont été sur la façade de l'hôtel de ville. C'est symbolique, quoi. Oui, oui, d'accord. Et en même temps, c'est joli, il y a de la couleur. C'est pas mal. La salade
Déconseillé. La balade ensoleillée. Ah, d'accord. Au bord. Au bord du canal. Du canal. Donc il faisait beau pour une fois. Donc on a été se promener au bord du canal. D'accord. Et tout juste à côté, il y a un chanteur de rock, là, du Havre, qui faisait une séance de photos. D'accord. Donc effectivement, le temps était propice à prendre quelques photos. Donc on était à plusieurs à faire ça. Ben, moi, j'ai pris des photos de toi, évidemment. Hein. Et ça, c'est Jean-Marie et Léna. Donc c'est moi qui ai écrit l'article, mais en fait c'est un message qu'ils m'ont fait sur téléphone. Oui. Donc je l'ai transformé en article pour toi. Ah oui, ah, c'est gentil ça. Donc on voit Jean-Marie à côté de dans sa résidence, c'est le jardin dans leur résidence, comme toi. Ah oui. Et il y a une piscine, et puis il y a des arbres fruitiers exotiques. On le voit qu'il montre les fruits avec sa main là. Ah. Et on le voit qu'il se baigne dans la piscine. Ah oui. Et puis là, c'est Léna qui se fait vacciner. Et là-bas, ils se font vacciner en voiture. Ils arrivent en voiture, oui. Hop, ils se font vacciner et ils partent en voiture. Oh, c'est pas vrai. Comme McDo. Comme ça, il n'y a pas le parking. Voilà, il n'y a pas de parking à payer. Mais surtout, ça évite les contacts. Ça évite d'aller dans les pièces et de rencontrer des gens. Ah ben oui, tout compte fait. Donc voilà, ils sont vaccinés aussi et ils devraient venir, je l'ai marqué, je crois, c'était au mois de... Ils vont arriver au mois de mai, je crois, en France. Ils vont revenir parce qu'ils sont au Brésil, là. Ah bon ? Ils résident au Brésil. Ah oui, il est retourné au Brésil. Et l'été, ils reviennent ici en France. Ils laisseront le Brésil et ses arbres exotiques venir en France vers le mois de mai. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit dans leur message. D'accord. Donc je l'ai remis dans un article pour que tu aies des nouvelles. Ah oui, on aimait bien notre petite balade. Hein. Mmh. Bon, on va faire un petit Scrabble. Oui, mais j'ai un cheveu qui se balade dans ma bouche. Il parle. Mars. Ils sont pas en retard, hein? Non, non, bah, on est à mi-mars quand même, hein, on est le 17. Hein. Oui. Tiens, je peux le mettre là-bas parce que les autres sont rangés là-bas, je crois. Ah. Ici, c'est là que tu mets ton courrier. Hein, puis ça te fera de la place sur la table. Allez, Scrabble. Hein.